Fais pas le dégueu, mets un pouce bleu. Salut bande de moules frites, c'est Parrain Jules, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de rétro gaming avec le jeu Season 3, un jeu de gestion d'Empire Romain sorti en 98, 98 pour nos amis français. Pourquoi ce jeu? Bien tout simplement parce que c'est un des tout premiers jeux que j'ai acheté sur mon tout premier PC, qui était un PC de récup, une vraie bête de course puisqu'il disposait d'un processeur Pentium 2 350 MHz, de 128 Mo de mémoire et d'un disque dur de 2 Go. Avec carte graphique intégrée, donc comme vous voyez, une véritable bombe en 1940. Voilà, c'est parti. Nouvelle carrière. Alors bien sûr, par un Jules César. Ave, citoyens, que votre formation de gouverneur commence. Vous devez tout d'abord apprendre les bases de la construction d'une colonie romaine. Délimiter des zones d'habitation et vous verrez bientôt des immigrants. Ok, de toute façon, on s'en fout. Alors, pour tous vous avouer, j'ai pas beaucoup joué. Je suis pas un grand joueur sur PC. J'avais peut-être fait les 3 ou 4 premières missions. Je pense que les 2 premières missions sont des missions tuto. J'avais toujours pour habitude de mettre les rues complètement parallèles, avec de chaque côté des maisons. Je me suis rendu compte qu'en fait, limiter un peu le développement de la cité. Et en cherchant un peu sur internet, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait faire des grands blocs de maisons avec une fontaine au milieu. Enfin, on va essayer plusieurs pistes. Ici, bon, comme c'est la toute première. Je vais un peu à la Pornawak. Vous voyez qu'il y a des cases qui sont grisées, donc tout n'est pas disponible. Dès que ce sera installé, il va y avoir un incendie pour nous expliquer qu'il faut mettre des préfectures, des maisons d'architectes. On va les laisser s'installer. Je vais dégager un peu ici. Alors, normalement, je dois atteindre une population de 150 individus. Il devrait bientôt y avoir un incendie normalement. Ce qui me permettrait de faire l'incendie, vous serez une préfecture. Et bien sûr, pour éteindre l'incendie, il faut de l'eau. Donc c'est pour ça que j'avais déjà mis un puits ici. Je vais remettre un de l'autre côté. Et je vais remettre une préfecture de l'autre côté. Un incendie. Alors, il y a le petit soldat qui court avec ses petits seaux d'eau là pour l'éteindre. Alors faut surtout pas hésiter à mettre des préfectures un peu partout. Comme ça il y aura déjà d'abord du travail pour tout le monde. Et il y aura quand même un peu plus d'ordre au niveau des vols, des incendies, des perturbations. Alors vous voyez, quand vous cliquez droit sur un bâtiment, vous avez un petit résumé de ce qui se passe, si employés, si requis, donc voilà, tout fonctionne bien. Premier effondrement, même si l'architecture est très performante, il arrivait que... Des maisons d'ingénieurs... Vous pouvez également bâtir un sénat. Un sénat pour des percepteurs. Ceux-ci parcourent les rues et les secteurs pour recevoir les taxes. Les personnes assises sur les marches du Sénat sont au chômage. Pour que ces personnes sont nombreuses, plus ces personnes sont nombreuses, plus le taux de chômage est élevé. Vous verrez peut-être les rues proches. Ok. Préfecture, études d'ingénieur, leur main chaude pour les études d'ingénieur. Faut pas hésiter à en mettre plusieurs. Voilà. Et je pense que l'étape suivante, ce sera la structure religieuse. Satisfaire les dieux. On va remettre des maisons.
et on va construire des petits temps, ce qui permettra d'employer personnel. Réduire le chômage. Mercure, Mars, Vénus. Population monte, c'est bon. Je pense qu'arriver à 150, ce sera nickel. Voilà. Victoire, César vous a promis, vous serez désormais fonctionnaire. C'est-à-dire que je ne foutrai plus rien de mes journées. Je suis heureux de constater que vous avez compris les rudiments. Merci. Continuons à présent un peu votre éducation. J'ai une nouvelle mission à vous confier. En route pour Brindisium. Ok. Vos priorités sont la sécurité, sécurité. La nourriture et l'eau. Sans logement et sans nourriture, personne ne voudra venir s'installer dans votre cité. Il faut maintenant que vous produisiez de la nourriture. Commencez par construire... On s'en fout. Donc... Les fermes doivent se disposer sur les terres riches, comme ici. Et je vais faire mon petit village ici. Alors donc, je vais faire un bloc comme j'avais dit. Alors, on va mettre des puits. 2 et 3. On va mettre des préfectures. Ici et ici. On va mettre un grenier. Voilà. Plus tard, j'en mettrai un là. Alors, faut que je laisse un endroit pour un réservoir pour bien servir l'eau dans toute la ville. Réservoir, je le mettrai ici. Voilà. Je vais mettre des marchés à chaque extrémité. Alors là, ce sera un réservoir. Ici. Viager un peu ici en attendant. Voilà, les gens commencent à arriver. Nickel. Je vais mettre les temples. Galérer partir pour que monter accès à la religion. Mercure. Mars. Et Vénus. Voilà. Et merde, crame. Fait chier. Faut que ça crame, mais pas trop quand même. Approvisionnement, non, bien joué, on va faire tout opérationnel. Aqueduc. Ok. Réservoir. Chat, ça est là. Alors, je peux virer les puits maintenant, pour mettre des fontaines d'eau propre. Ici. Ok. Les jardins, pour embellir un peu, voilà. Ah bah, tout est disponible maintenant. On va mettre des thermes. On va mettre des écoles. Un théâtre, une école de théâtre. On va embellir un peu tout ça. Ferait s'accroître la fertilité de vos cultures. Peut-être mettre une ferme. Taxe et industrie. Ok.
Alors, tout est bon. Ça, on s'en fout. Nickel. Peut-être ouvrir une route de commerce. Dinari. Alors, vend du fer, achète du blé, des armes, des poteries. Donc, on va faire, on va importer du fer. On va commencer l'échange de blé à partir de 5 unités. Argile, il n'y a toujours pas. Et ça, on va commencer à partir de 5 unités. On va créer un puits d'argile. Atelier de poterie. Et on va mettre aussi un entrepôt. On va faire un atelier d'armes, comme ça dès que le fer sera disponible, on va commencer. Tout ça c'est nickel, on va peut-être organiser un petit festival. Tout monter en vue, on va commencer par Mercure peut-être pour avoir du bon commerce. Grand festival, ça me sort pas mal. On va peut-être augmenter un peu les salaires pour que les gens soient contents. Voilà. Éducation, c'est bon. On va remettre une école peut-être. Pourquoi ça régresse ici? On n'a pas accès à poids d'eau rudimentaire. Ok. On va te virer et on va mettre une fontaine à la place. Voilà. Ah, cette distraction dans le secteur. Ouais, si, il y a le théâtre là. Je peux faire mieux, moi. Voilà. Effet négatif. Merde, hein. Oh. Jamais content les gens. Bon bah je vais remettre un réservoir ici, sinon les gens vont brère. Voilà. Carte des eaux, nickel. Ok. Non mais ça travaille là, nickel. Les armes. Faire un atelier de poterie. On va mettre un forum pour collecter les taxes. On va remettre des fermes. Ah ben voilà, nickel. César vous a promis, vous serez désormais ingénieur. Vous apprenez vite. Vous possédez à présent les compétences. Voilà, ben, je vous propose de rester là pour le moment. On se retrouvera bientôt pour la prochaine mission. Et ensuite, peut-être que je ferai découvrir ce jeu à mon fils de 13 ans pour voir ce qu'il pense un peu des jeux vidéo un peu plus anciens. Lui qui est plutôt habitué à jouer sur PlayStation 3. On fera une petite vidéo pour filmer tout ça. Allez, salut à tous!